Merci aux personnes chaque année qui nous organisent cette exposition de voitures. Ici, nous avons une Corvette. Magnifique, la Corvette. Nous avons une Corvette, mais incroyable, la Corvette. Et là, nous avons une Triomphe. Une belle petite Triomphe, nous avons. Avec le drapeau anglais. Salut à tous les... au pays Angleterre. Là, nous avons une Corvette, mais incroyable. Chaque année, elle est là, elle est ici. C'est franchement un truc de malade. Alors, faut savoir que oui, il y a du monde ici. Du coup, vous allez voir qu'il y a encore plein de voitures. Je vais prendre des photos, vidéos. Mais il y a du monde, il y a vraiment du monde à l'exposition de ces voitures ici. Malheureusement, il ne reste pas longtemps. Ils vont repartir tout à l'heure. On va aller voir les autres voitures. Moi ça. BMW. Regardez-moi ça, pas magnifique. Ouais. Ouais. Encore une Mustang qui arrive par là-bas. Renault 5 GTI, 205 GTI, 205. Ça, c'est une Ford Mustang. Heureusement, les gens ils restent devant, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas trop filmer. Il a mis un radiateur. Là. On va prendre la gueule. Ah, les gens ils restent devant, c'est incroyable. Les gens ils restent trop devant les voitures, c'est un peu dommage. On ne peut pas trop filmer avec les gens. Ils restent. De toute façon, c'est une Renault 5 avec les gens sont devant en train d'admirer leur voiture. Ça, c'est une Golf. Quoi. Du coup, on va aller voir les autres voitures par là-bas. Allez, recule, Doudou. J'ai mon fils là qui recule. On va aller voir les autres. A tout de suite. C'est vrai que c'est pas facile parce que les gens ils organisent. Alors faut savoir qu'il y a beaucoup de monde, c'est incroyable. Une Honda. Viens Mio, viens avec moi. L'Alpine qui est là, là. BMW. De toute façon, on va aller tous voir les voitures. L'Alpine qui est là. Incroyable. Franchement, c'est...
Alors pour qu'il y a du monde, c'est qu'il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de voitures à voir, beaucoup de vidéos de voitures à filmer. C'est là, ça, c'est une Mustang celle-là. Toi, Dodo, reste là, j'arrive pas. Ça, c'est une Mustang. C'est dommage, c'est qu'elle est fermée. Ça, c'est une Citroën. C'est une Triumph, ça. Non, c'est une Quintrane, je crois que c'est une Quintrane, celle-là. Ford Mustang, encore une Ford Mustang. Encore une Ford Mustang. Et vous allez voir que on va passer par là. Hein. Tu vas voir les voitures. Ah, celle-là nous ramène le coca. Regarde, celle-là nous ramène le coca. Quoi? Oui, on va les voir après. Encore, on n'a pas tout filmé. J'ai pas encore tout pris en vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le côté des voitures. On peut pas. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui arrivent entre temps. Donc j'essaie de tout vous filmer. Franchement, elle déchire avec ses jantes blanches là. Alors c'est vraiment serré, serré quand il est garé hein, les voitures. Ouais, c'est très bien. Alors, ah nous avons des Renault 5. Ils sont en train de serrer les voitures, mais incroyable. En plus, il y en a encore derrière. Une 404 ici. Voiture de plage, moi j'appelle ça une voiture de plage. Elle est toute bleue celle-là. Ça c'est pour les campings ça. Hein? Ouais, alors l'air argenté c'est. C'est incroyable. Chaque année c'est un truc de malade. Il y a une deux chevaux qui arrivent là. Là-bas, il y en a une autre grise. On va aller voir l'autre côté. Attention, attention, à trop de suite. Emilio. Là j'ai ma petite femme qui est là, coucou chérie. J'ai ma petite femme qui est là aussi. Franchement c'est incroyable chaque année. On va aller voir toutes les voitures, on va filmer toutes. Franchement c'est incroyable. Toutes les voitures qu'il y a. Bonjour. Ça, c'est bien pour filmer. Ah, incroyable. Ça, la technologie.
Ah, vous allez voir, de toute façon, ça va être tourné sur YouTube. Allez-y. C'est pas vrai. C'est le monsieur de la voiture en fait qui est là. Voilà, ça c'est la couleur, vous avez regardé carré dans le film. Ouais. Voilà. Avec Benoît Fishbord. Ouais, si. Vous connaissez, ouais, je connais. Ouais. Là, c'est un peu plus style là. Je connais lui. Ouais. Ils sont super proches, quand les voitures sont super. Elle est 86, là. 86 à... Ouais. La même année qu'elle est. Il a 73 000 km. Ah oui, elle a 38 ans. 38 ans, ça va. Hein. Mais c'est de l'entretien quand même. Hein. Ouais, bon, il faut pas les laisser finir. Il faut pas attendre qu'ils pourrissent. C'est ça. Aujourd'hui, je pense que ça. Et celle-là, ça ne peut pas. De 1977. Je suis désolé. Ouais. 1977, celle-là. C'est un moteur de 100 cm. Ouais. C'est robuste. Puis ça tient bien la route surtout. Ah oui, ça tient bien la route. Il n'y a pas les problèmes électroniques. Ouais, ouais, bon, aujourd'hui tout est électronique. Là, il y a un autre monsieur qui était à côté. Là, je l'ai acheté il y a un an. Là, ça vaut déjà 7 000 euros. Ah oui, c'est pas donné. Hein. Mais ça revient moins cher parce qu'aujourd'hui ça revient à la mode. Aujourd'hui. On me l'a demandé 10 fois. Hein. Parce que cette couleur-là, sur ça, je crois. D'accord, bah je vous souhaite bon après-midi. Non, merci, merci beaucoup, monsieur. De rien. Au revoir. Donc vous voyez, monsieur, c'est une question de notre entier en fait, toutes les voitures. Du coup, on va aller voir là-bas aussi. Alors là-bas, on va aller voir le petit van de vacances. On va aller voir ce petit van de vacances. Incroyable le devant, incroyable. Les petits coussins, les petits éviers, puis le petit bonhomme qui bouge, hein. Les petits placards en bas. Oh, la couleur verte, j'aime bien la couleur verte, incroyable, j'adore. Du coup, je suis avec ma femme qui est là. Je suis avec ma femme, ma petite femme, mon fils. T'as pas le droit de monter dedans. C'est incroyable, en fait, j'ai le petit van de vacances. J'adore ce petit van. Aujourd'hui, ça revient à la mode, ça. Ça revient à la mode. Volkswagen, en plus. Encore un petit van de vacances. Qui est incroyable, Volkswagen. Ah, c'est dommage, c'est qu'on peut pas voir le dedans. Volkswagen encore. Et Mio, on va aller voir les militaires après là-bas. Tu vois, il reste de la batterie là, là-dessus. Allez, viens. Du coup, on va aller. Je vous dis à tout de suite pour les militaires. Là, nous avons les petites motos. Harley Davidson, oh, c'est la première là, ah, elle est belle, hein. J'aime bien. Hein. Les mobilettes dans le temps. Chaque mobilette est différent. Les vélos à moteur. Selex. Interceptor. Les monstrueux. Hein. Moto confort. C'est... Le scooter. Ouais. Et une petite mobilette. Assez vieux, c'est dans le temps. Là, nous sommes dans les rangs militaires. Camion militaire, c'est pareil. C'est incroyable. N'hésitez pas à les rejoindre sur leurs réseaux sociaux.
avec la pelle là. Là, vous avez la pelle, vous avez la hache. Ouais, et là, c'est la pioche. Ici, vous avez une pioche ici. Ça, c'est une pioche. Ça, c'est la pelle. Et ça, c'est la hache. Elle vient mieux. Là, vous avez les résistants là. Vous avez les résistants avec les militaires. En plus, il a son arme et tout. C'est incroyable. Vous allez voir le derrière, c'est comment c'est. Là, vous avez la jerrycan pour mettre l'essence, la roue de secours. Ah, les États-Unis d'Amérique, quel drapeau. Quel drapeau, j'adore ce drapeau. Je l'ai chez moi, ce drapeau. Je l'ai chez moi. La caisse, je crois, c'est la caisse à munitions, je crois ça. Les fusils là, regarde-moi ça. Avec cette étoile et balai USA. Là, nous avons d'autres, on va aller voir. Après, je vais faire des photos après. Et faire quelques photos de Mio Mio. C'est vraiment incroyable, incroyable. Encore une fois, la pioche. Mais attention au trottoir. Leur fameux. Le fameux drapeau américain que j'ai chez moi. Encore un fameux drapeau américain. Encore une fois, la caisse à munitions. Hein. C'est une caisse à munitions où ils mettaient les chargeurs pour les fusils, les grenades et tout. Incroyable, on va aller voir celle-là. C'était vraiment. Et là, nous avons le drapeau. Alors, je sais pas c'est quoi comme drapeau ici. Résistance, je crois, c'est le drapeau de résistance au niveau de la France. Regardez. En tout cas, bah moi je vous dis bah à très bientôt. Merci. Doudou, tu dis quoi? C'était bien? Ouais. T'as bien aimé? Donc moi je vous dis bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter. Et moi je vous dis donc à la prochaine fois. Allez, salut!